Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de La Minute Quintée, une Minute Quintée qui, comme vous le savez, est en partenariat avec le site theturf.fr. Alors, ce vendredi 2 septembre 2022, direction l'hippodrome de Vincennes pour la reprise des Quintées Plus en nocturne sur la cendrée parisienne. Une réunion intéressante qui nous attend avec des courses vraiment de qualité, hein. D'ailleurs, tout au long du week-end, hein, samedi également, on aura une très belle réunion qui nous attend dans le Temple du Trot. En tout cas, là, on a affaire à un Quintée Plus The 5 qui se disputera dans la troisième course du programme de cette réunion 1, prévue à 20h15, hein, le prix d'Iotima. Une course réservée à des chevaux âgés de 7 à 10 ans, n'ayant pas gagné 177 000 euros. Donc voilà, des chevaux d'âge, 14 concurrents au départ, 2100 mètres à parcourir, hein, le parcours de vitesse de la grande piste de Vincennes, avec un départ qui sera donné bien entendu à l'aide de l'autostart. Et on va faire un petit point avec des 7 ans qui s'annoncent vraiment redoutables. Ils sont en majorité, hein, comme vous le voyez. Il y a 1, 2, 8 ans et 2, 9 ans. Le reste, ce sont des 7 ans. Donc, à mon avis, ils devraient se tailler la part du lion. On va rentrer dans le vif du sujet avec le numéro 7, Far West du Rip, que j'ai retenu en tête de ma sélection. C'est vraiment un concurrent qui me plaît tout particulièrement. Il ne sera pas forcément grandissime favori en plus, c'est ça qui me plaît avec Karina Ledersoir. La dernière fois, c'était vraiment très bien sur l'hippodrome du Mont-Saint-Michel, sur un parcours de vitesse, hein, déjà. Il terminait troisième dans un lot qui tenait la route. Il revient sur un parcours sur lequel il détient la meilleure réduction kilométrique, hein, vous le voyez, une 11-4. Il sera plaqué des intérieurs, déféré des postérieurs. C'est vrai qu'on l'a vu réaliser de belles performances en étant déféré des quatre pieds. Maintenant, c'est quasiment pareil, à mon sens, d'être plaqué des intérieurs, déféré des postérieurs. On protège juste un petit peu plus ses intérieurs, mais c'est un concurrent qui est en grande forme, qui va apprécier ce parcours. J'aurais préféré peut-être un numéro un peu plus à l'intérieur, mais vu la qualité d'ensemble du lot, je trouve vraiment que c'est une toute première chance et j'aimerais vraiment beaucoup qu'il fasse sa meilleure valeur pour montrer qu'il est capable de s'imposer à ce niveau-là. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le numéro 5, un Flash de Velly. La dernière fois, il courait sans ambition sur l'hippodrome de Cabourg. Il était non placé, vous le voyez, le 19 août, seulement 9e. Là, on le défère des antérieurs. On sait que Sébastien Ernaux, c'est un fin préparateur en général. Lorsqu'il vient en région parisienne et qu'il défère un de ses pensionnaires, c'est en général pour faire des belles performances. Et d'ailleurs, ce Flash de Velly est titulaire du chrono de 1-11-5 sur ce parcours, le deuxième meilleur chrono sur ce parcours au départ de cette épreuve. Donc c'est un gage de qualité. Le numéro derrière l'autostart est excellent. On en attend une grande performance, à mon avis. Il devrait très logiquement lutter pour les premières places. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le numéro 9, Feeling Boy, un concurrent qui est en forme. Vous le voyez, il est régulier. Le seul petit bémol qu'il pourrait y avoir, c'est ce numéro 9 derrière la voiture. C'est jamais évident, un numéro tout en dehors sur un tel parcours. Maintenant, ils ne sont que 14, donc ça ne m'inquiète pas. Et puis, j'ai regardé sur ce tracé, en trois sorties, il compte deux deuxièmes places et une victoire. Donc, c'est un sans faute. Eric Raffin, qui appelait à la rescousse, qui le connaît très bien, ce Feeling Boy, à mon avis, ça sent bon. Malgré le numéro 9 qui m'inquiète un petit peu et qui me refroidit légèrement, je trouve vraiment qu'il a toutes les cartes en main pour réaliser une grande performance et lutter au moins pour une place sur le podium. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le numéro 9, El Fuego, un concurrent qui l'an passé avait remporté un Quintet Plus, hein, sur l'hippodrome d'Enghien, c'était au mois d'octobre. Depuis, voilà, vous le voyez, il n'a couru que trois fois cette année, mais il a rapidement retrouvé toutes ses sensations puisque dès sa deuxième tentative, il s'est imposé. La dernière fois sur l'hippodrome de Compiègne, c'était sur l'herbe, il terminait quatrième. C'était vraiment bien également. C'était ici, vous le voyez, le 6 août. Là, il a un bon numéro derrière la voiture, il est déféré des quatre pieds. Adrien Lamy, avec qui il s'est imposé dans un quintet l'an passé, qui lui sera associé. Voilà, Benjamin Goetz qui est assez confiant et je pense que c'est à juste titre l'un des concurrents dont il faut se méfier, qui détient certainement toutes les clés en main pour peut-être inquiéter les principaux favoris. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le numéro 3, Feeling du Noyer. Lui aussi présente pas mal de garanties. Vous le voyez, c'est un concurrent qui est très régulier, qui fait toutes ses courses. Sur ce parcours, il a peut-être un petit peu moins de marge, hein, la grande piste de Vincennes, 2100 mètres, mais il l'a déjà bien fait, hein, sur ce parcours. Donc attention, on fait appel à David Thomas qui n'a pas drivé depuis un moment. J'ai regardé l'association entre ces deux-là. C'est soldé par une victoire en une seule tentative. C'était il y a plus de 10 ans, hein, du côté de Saint-Malo. Maintenant, c'est un tandem qui a déjà bien marché et ça, c'est important de le souligner. Voilà, je vous l'ai dit, déféré des quatre pieds avec ce numéro 3 derrière les ailes de la voiture, c'est vraiment également excellent. Je pense que même s'il y a quelques concurrents qui lui semblent un petit peu supérieurs en valeur, il est tout de même dans sa catégorie et avec ce numéro, il devrait faire sa course et réaliser une bonne performance, même si pour la victoire, il est barré. Il peut terminer troisième, quatrième ou cinquième, à mon sens. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le numéro 13.
Onas Nouga qui est en forme, hein, vous le voyez, c'est un concurrent qui est régulier lui aussi en ensemble. Il y a beaucoup de concurrents comme ça qui sont réguliers. Maintenant, lui il va partir en deuxième ligne. Hein. Vous le voyez, la dernière fois, c'était cinquième du côté de Cabourg. Il a couru une fois hein, sur ce parcours des 2500 mètres de la grande piste. Il terminait septième en 1-12 effraction. Bon, voilà, c'est un concurrent qui n'a pas forcément une grosse marge, mais on a Alexandre Abrivard qui sera au sulky, il sera déféré des quatre pieds. Bon, derrière le numéro 4, Philou Duberger, c'est pas forcément le meilleur dos pour démarrer. Mais bon, c'est un concurrent qui a montré quand même quelques bonnes dispositions sur notre sol. Et je me dis que pourquoi pas pour une place. C'est vrai que la qualité d'ensemble du lot n'est pas forcément extraordinaire. Lui, c'est un 7 ans qui a montré des moyens. Donc voilà, pourquoi pas. Comme j'ai dit, pourquoi pas pour une sixième, pour une 4-5e place. Moi, je l'ai retenu sixième, en tout cas de ma sélection. En septième position, ensuite, j'ai retenu un Hongre de 8 ans. Ce sera l'As Expeditious, qui n'a pas forcément une grosse marge de manœuvre. Lui aussi est régulier maintenant. Il n'a jamais couru sur ce parcours. Découvrir ce tracé, c'est pas forcément un avantage, surtout à 8 ans, mais bon, il va faire sa course comme beaucoup, et puis il a l'As derrière l'autostart, il va faire le parcours à l'économie, côté corde, un petit parcours, et si ça s'ouvre, pourquoi pas accrocher une 4-5e place avec une bonne pointe de vitesse finale. Et enfin, 8e position, j'ai retenu le numéro 6, Fanal du Garden. Un concurrent qu'on n'a pas revu sur la cendrée de Vincennes depuis plus d'un an et demi. Maintenant, il est en forme. Il reste sur une bonne troisième place. Je crois que c'était du côté des Sables d'Olonne. Voilà, pas trop de marge non plus. Hein. J'ai regardé. Il a déjà couru à Vincennes. En général, il était un peu limité comme ça. Il terminait aux portes du quintet, 5, 6, 7e. Bon, il a un bon numéro quand même derrière la voiture, le numéro 6, et il est en forme. Ça peut aider, mais il faudra quand même pas trop brûler de kérosène au départ pour espérer pouvoir finir et pourquoi pas accrocher un petit lot. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 10, Figaro Gemma. Vous le voyez, c'est le moins riche et d'assez loin. Hein. Il n'a que 104 000 euros, alors que ses rivaux en ont plus de 170 000. Maintenant, c'est un concurrent qui est en forme, qui a peut-être encore quelques gains à prendre, mais dans cette catégorie, je pense qu'il faudra quand même que ça se passe bien. Il a le numéro 10 derrière la voiture, il n'a pas les moyens de faire le tour de ses rivaux, à mon avis. Donc, côté corde, il faudra que ça s'ouvre. Et si c'est le cas, pourquoi pas accrocher un petit lot comme beaucoup, mais pas mieux pour moi. On va faire un petit récapitulatif de cette sélection avec le numéro 7 que j'ai retenu en tête devant le 5, le 9, le 2, le 3, le 13, l'As et le 6. Et en cas de non partant, le numéro 10. Voilà, vous savez tout pour le Quintet Plus The 5 qui aura lieu ce vendredi 2 septembre en réunion à course 3 sur l'hippodrome de Vincennes. Ce sera à 20h15. Comme conseil de jeu, ce vendredi, bah écoutez, c'est vrai que mes trois premiers chevaux me plaisent beaucoup, 7, 5 et 9. Qui à mon sens présente beaucoup de garanties. Maintenant, je me méfie toujours de ces courses un petit peu pièges. On l'a vu lundi avec le favori Arlequin qui s'est mis au galop dès le départ sur ce même parcours sur l'hippodrome de Vincennes. Donc moi, je vous conseille plus de faire, si vous faites des E4 ou des E5, de faire des combinaisons élargies, des combinés. Ce sera peut-être plus un gage de garantie de réussir à choper peut-être quelque chose d'intéressant, surtout s'il y a un ou deux favos qui peuvent se montrer fautifs. On est à l'abri de rien sur ce parcours. Mais c'est vrai qu'avant le coup, je vous l'ai dit, mes trois préférés, ce seront quand même 7, 5 et 9. Si vous voulez prendre des bases, en tout cas, ce sont les trois que je vous conseille. Je vous signale également que nous sommes en partenariat avec TheTurf.fr, notre partenaire qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte, auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Donc voilà, vous pouvez cliquer sur l'un des nombreux liens disponibles sur notre site ou alors nous contacter via cette vidéo pour en profiter. On va faire un petit point également sur le Quintet Plus qui se disputait du côté de Compiègne ce mercredi 31 août avec un non partant, le numéro 9. The Charmer, le 3, qui a s'imposé devant le 2 Billabong 4, qui n'était pas forcément attendu à pareille fête, hein, même s'ils étaient un peu joués. Le 10 Omel, qui termine 3e devant le 16 Trobrez, et puis le 4 Mama Imelda, qui conclut l'arrivée de ce Quintet Plus. Du côté de nos deux rubriques, bah, c'était pas forcément évident de trouver, mais finalement, vous le voyez, regardez Tour Sélection qui vous indique Tiercé, Quartet et Quintet. Quintet qui fait chiffrer quand même plus de 1000 euros dans le désordre. Donc voilà, une belle performance de Tour Sélection qui vous indique également trois trios. Voilà, une belle journée de Tour Sélection. Top Prono n'est pas en reste hein, avec quelques trios rémunérateurs, dont un à plus de 460 euros. Donc voilà, vous pouvez tester nos deux rubriques à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte, c'est le premier mois et sans engagement. Donc voilà, n'hésitez pas à en profiter. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette minute quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker,
à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve demain, samedi, pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. Ce sera également du côté de Vincennes avec une belle épreuve, hein, un qualificatif pour le critérium des 5 ans qui nous attend. Donc, soyez bien présents au rendez-vous. On va y avoir du sport. Je vous remercie une nouvelle fois. Je vous souhaite de bons jeux à tous. À demain. Bye bye.